m'appelle Ludovic Mélan, j'ai 34 ans. J'étais pendant 15 ans musicien classique professionnel, puis j'ai eu envie de découvrir un nouveau secteur d'activité en lien avec le développement durable, la qualité de vie. J'ai choisi le métier d'ouvrier paysagiste et spécialement de me former avec le Greta MTI 93 au CAPA Travaux Paysagers. Les missions de l'ouvrier paysagiste sont en premier lieu d'identifier les végétaux pour pouvoir effectuer les opérations classiques que sont la taille, la tonte, la plantation, le travail du sol. Le métier évolue de plus en plus vers une approche de développement durable, à travers notamment la gestion raisonnée des espaces, l'abandon progressif des produits phytosanitaires, la lutte biologique, également la réintroduction de biodiversité en ville, à travers l'installation de ruches, d'hôtels à insectes ou de toits et murs végétalisés. Les qualités attendues d'un jardinier sont principalement une bonne capacité d'observation, notamment pour l'identification de la flore, mais également de la faune, une envie d'apprendre et une adaptabilité, car ce métier est en évolution constante, un bon sens du relationnel. En effet, le travail s'effectue en équipe, nous sommes également amenés à être au contact des clients, et enfin une capacité à travailler dehors, car nous sommes à l'extérieur en toute saison. Un ouvrier paysagiste peut être amené à travailler en entreprise, donc entreprise du paysage, entreprise d'espace vert, également les collectivités territoriales, voire l'État, et pourquoi pas, après quelques années d'expérience, créer son entreprise. J'ai obtenu mon CAPA début octobre 2015. Depuis un mois, je suis en recherche d'emploi et ça s'annonce plutôt bien puisque j'ai plusieurs propositions intéressantes. J'ai décroché deux entretiens. Je m'aperçois que les employeurs sont en forte demande de personnel qualifié.